Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek, dans le plus sombre des donjons. Nous allons nous enfoncer dans la bise afin d'affronter le prince porcin avec le bon vieux Falstaff, Patrice, un occultiste moyen et Barbara. C'est pratiquement mes personnages préférés, on peut dire ça. Donc on va maximaliser les chances du groupe. Revenir en vie. Oh, j'ai peut-être été trop gourmand là. Voilà. De quoi se nourrir. Là. J'aimerais bien le tenter ça, mais je ne sais pas encore trop ce que ça fait. On va prendre. Hop, hop, hop. On va tenter d'y aller comme ça. On va tenter le prince porcin. Comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'appréhende, j'ai peur de perdre les personnages que j'aime beaucoup. Donc on verra bien. On verra bien. On verra bien. Le gros chocogeek, pas du tout, du tout. Rassurez-moi. Je sens que je vais prendre. Je regarde rapidement si ça enregistre. J'ai aussi cette phobie maintenant. Si le jeu veut bien. Si le jeu veut bien. Si le jeu veut bien. Là, suivez la petite babelle de chargement. Allez. Allez. Allez le jeu. Allez. Oui. Oui, l'enregistre notre pression. Nous voici. Là, on va bien localiser assez rapidement le boss. Ça qui va, bah de toute façon, j'ai pas 36 solutions pour le premier passage. Donc j'ai bien renforcé Falstaff sur la défense. Ça va être capable de protéger Barbara. Ah. Ça commence mal. Pas de maladie. Non. Laissez-moi. Mais mon tank il joue pas. Je veux que mon tank il joue. Voilà. Allez, il aime découper en tête. Ouais, si t'es pour lui, c'est mieux. Merci. Oh, mon PC qui commence à faire la gueule d'enregistrer plusieurs vidéos d'affilée. Et on va activer la riposte. Wow. C'est presque des effets spéciaux de vieux film, sauf que c'est pas des effets spéciaux de vieux film. Ah, mais c'est pas vrai! Allez! Ah hein. J'ai cru que le jeu allait me lâcher! Ah, le cri qui tue, toujours ultra efficace. Y'a pas à transpirer à côté, quoi. Ah. Nanana, je veux pas. Voilà. Par là, ma main. Quoi, ça? Herbe malade uniquement pour médecin de la peste. C'est cool, j'en ai pas. Résistant. Oh, joli. Tout ça avec un bocal rempli de champignons. Pourquoi pas? Lilulilu, repérage. Nous cherchons le prince cochon. Oh, ça part loin. Bon, bah, il y a plein de butins par là. On va aller par ici. Hein. Oh, bah, il y en a aussi. Oui.
Si vraiment je me retrouve avec les poches trop pleines, de toute façon, j'irai. Je retourne au village, mais je pense qu'on peut, on peut y arriver. Pas celui-là, c'est moins 15. Celui-ci, il a une tendance un petit peu à beaucoup esquiver, alors que j'aimerais qu'il meure très vite à chaque fois. Comme ça. Quick. Entre vous et nous, c'est une histoire de gnou. Commence à soigner un petit peu. Ou bien, ou beaucoup. Vous voyez aussi. Les mains sont en feu. J'aimerais bien arriver à le buter celui-là. Mais non, toujours pas. Voilà. Et le beuglement qui finit le coup. Et voilà. Mes tactiques sont supérieures, je crie sur l'ennemi. Magnifique. J'adore. J'adore. Repérage. Petit cochon. Où es-tu? Alors il peut être où là-haut? Oh, il va être là-haut à tous les coups. Ah, argent, quête, quête, argent. On va aller à l'argent. Pas grave, il avait déjà un truc équivalent, ça va pas changer grand chose. Ah, là on a deux casse-couilles dans le groupe en face. Oh non, mais t'es sérieux, double esquive là. Ah, il faut que je soigne. Là, il nous emmerdera pas. C'est déjà ça de bon. Ça m'emmerde. En train de me faire stresser ma pré-stress et ça me stresse. Y'a pas chez Patrice, il déchire. Mais sérieux! Détruis les cadavres. Positif, positif, punaise! Mais sérieux! Mon protecteur qui ne protège pas! Je peux activer la contre-attaque, bon, c'est pas grave.
celui-là il fait plus chier et c'est déjà pas mal. Ah mais aïe! Oh mais sérieux! Mais les niveaux 1 se démerdaient mieux que mon gros paquet de niveau 2 et 3 quoi, sérieux! Bordel! Eh hey, mais il a combien en esquive lui? 20. Je vais le buter comment lui? Oh, 5 minutes les conneries! Prenez du son, vous venez de gagner. Aïe, 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 aïe. Ah, les malades. Aïe, 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 je vous jure, pas de repérage ce coup-ci? Non, pas de repérage, bien entendu. Bon, allons. Wow. Oh mais non! Mais je vous déteste quoi! Repérage? Cochon? Le boss! Wow! Combien de points de vie? 124. Ah ouais, quand même. Il est étourdissable? Non, il est pas étourdissable. C'est dégueulasse! Ah oui, d'accord, donc c'est cette salope, il a en fait le... Ça, ça pourrait être plutôt positif. Il n'a plus la riposte, on va réactiver la riposte. Double venir. Il sera sûrement un cadavre. Comment ça me saoulait lui?
Sérieux, les soins qui sont minables quand on en a le plus besoin. Sans blague! T'avais pas remarqué! Bande de pignouf! Je suis stressé, hein. Je parle pas beaucoup, mais là je flippe un petit peu ma race, je dois vous avouer. Je fais 5 tout le monde, je sais. Voilà, le petit cochon, c'est fait. Ah bordel, il va saigner. Oh le bâtard! Il n'y a plus de petit porc. D'accord, il va faire ça à chaque fois maintenant. Ok! Donc oui, je risque bien de perdre des membres du groupe. Positif, positif, oui! Ça fait 35 points de vie, bah tant pis, on va taper dedans comme des gros bourrins. Wouah! Wouah! Ta gueule! Allez, plus qu'un point de vie à lui faire sauter. Non mais non. Eh ben, ça a pas été évident. Hein. Bon, on dégage, toi, le commentaire à la con qui emmerde tout le monde. Ah, super critique. Comment? Et eh bien voilà, j'ai perdu un héros. J'ai perdu l'occultiste niveau 1. C'est pas un drame. C'est pas un drame. J'ai battu le prince porcin. J'en ai chié. Mais j'en ai eu. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est quoi? Pourquoi il y a que aussi peu d'argent? Ah oui, d'accord.
Faire aussi peu de fric, mon dieu. Ah. On s'en fout, ne priera pas. On s'en fout, maîtrise des armes. Oh! Vertige, résistance au déplacement, moins 50%. C'est quoi, c'est une maladie? Ah! Oh. C'est moins. Ok. Eh ben, c'est pas trop trop mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Mais au moins, ça y est, c'est officiel. Le premier méchant est vaincu. J'ai vaincu un gros vilain. Et il y a un paquet... Wow ! Alors, vitesse moins 3, dommage plus 20%, dommage de stress plus 15%. C'est de la merde ! Ça se vend ! Ça, j'en ai... Elle a déjà, donc je vais donner à l'autre. Oui, je sais, je pourrais cliquer sur voilà. Les petits nimi, les mini mini, les mains la classe. Voilà, spécialement pour médecin de peste. Voilà. Voilà. Ce qui nous laisse un bon petit pécule. Et je vois pas de... Ce qui m'attriste, c'est qu'il n'y a pas de... Bon. Ah, pas mal ça pour le croiser. Infection. Et esquive moins 2, c'est moche. Quand on voit qu'ils ont déjà tendance à vous... Voilà. Nah. Je peux aller chercher quelqu'un. Pierre de tombe, maître chien, antiquaire, abomination, abomination. Pas de soigneur, donc... Oh, Hatchet. Il a le nom d'une ancienne connaissance IRL qui n'était absolument pas versée dans ce genre de choses. Eh bien, c'était Gros Choco Geek sur The Darkest Dungeon. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Dites aux personnes qui comptent pour vous à quel point vous les aimez. Et n'oubliez pas de cliquer sur ma petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. C'était Gros Choco Geek sur The Darkest Dungeon.